Il est parti. L'année prochaine, la même date, elle a eu un enfant. Naaman vient. Il est le général de l'armée de la Syrie. Il s'approche de Tuc. Géasi, Élisée envoie Géasi son serviteur. Il dit, va dire à Naaman d'aller plonger cette fois dans le Jourdain. Ces histoires de j'ai prié pour lui là. Il a qu'à aller plonger sept fois dans le Jourdain. Ceux dont la besoin, là, c'est le Jourdain qui peut régler ça. Il n'a qu'à aller sept fois plonger dans le Jourdain. Alors que dans deux rois. Deux Samuel, c'est ça? Deux rois 5, verset 9. Ah, vous connaissez la Bible, c'est bien. Je ne peux pas vous blaguer. Deux rois chapitre 5, le verset 9. Est-ce qu'on a des Bibles? Il y a ce problème avec vous souvent. Il y a des billes, montez les billes. La période, c'est déchiré. J'aime bien les billes déchirées. J'aime bien les billes. Montez les billes. Il y a d'autres billes dans le portable, c'est bon. Moi, j'ai billes dans le portable. J'ai billes sur le de mon lit. J'ai billes là partout. Partout. Toutes les versions, je cherche toujours les lits. Il y a des gens qui sont allergiques à la Bible. Peut-être que moi, ça a touché la Bible. Seigneur. Ça, c'est un démon, ça veut dire que tu es possédé. Et bien, quand il touche la Bible, commence à remplir. Ça veut dire que tu es possédé. Tu as un démon en toi qui t'amène à connaître les choses de Dieu. Allons-y. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Et son char, écoutez très bien. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager. Il n'est pas sorti, Élisée n'est pas sorti. Fut dit par un messager. Va. Antes d'avoir bien parlé l'Élisée, on dit qu'Élisée guérit les malades, il est bien, tout ça. Va. Élisée dit à Géasi, va. Il lave-toi sept fois dans le Jourdain. Va dire le monsieur de l'âge, c'est là, plonger sept fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra stérile. Ta chair deviendra stérile. Et tu seras pur. Tu seras pur. Naaman fut irrité. Regardez ce qu'il a fait, il est fâché. S'en alla. En disant. En disant. C'est à quoi ça je venais ici. Moi, j'ai vu la prière, c'est plus une histoire ça. Voici. Voici. Je me disais. Il sortira vers moi. Il est venu, il va bien m'accueillir. Il va bien me recevoir. Dès que je suis le prophète Crasso, il va bien me recevoir. Il se présentera lui-même. Lui-même, je suis le prophète Crasso. Il le maréchal de la brigade du sorcier. Il invoquera le nom de l'Éternel. Il agitera sa main sur la place. Où est ta maladie? Oui, tu es malade. Et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas. Il dit, mais si c'est ça là, il y a des hommes de Dieu. L'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Et ses serviteurs. Allez, fureur là, il y a tout dedans. Ouais, mais son escargot. Merci, merci. Son tout avec fureur. Tu sais ça là, c'est même à la peine. Lui, il nous fait attendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, attendre? Ça veut dire quoi? Lui doit nous recevoir. Je ne dis pas son nom, j'ai une autorité du pays. On m'invite chez lui. J'ai les enfants de Fouette qui m'ont introduit. Le monsieur, j'ai dit, monsieur, mettez-vous en genoux, je vais prier. Les gens m'approchent, ils disent non, c'est le monsieur le temps. J'ai dit, ah, mettez-vous en genoux, je vais prier pour vous. Et il m'approche, il me dit, non, prophète. J'ai dit, si ce n'est pas en genoux, moi, je ne prie pas pour lui. Je le regarde, on se regarde. Il a compris, il dit non. Il s'est mis en genoux. Quand il a fini de prier, il dit, toi, tu fais l'œuvre de Dieu. Il dit, toi, tu te laisses. Il dit, mais si c'est Crasso, toi, tu as joué devant lui. Et puis toi, tu es assis devant Dieu. Ma prière ne va pas porter. Dieu n'aime pas ça. Dieu, c'est un roi. J'ai commencé à parler. Il dit, c'est toi qui sais Dieu. Tu m'as donné l'argent de ça. Non, c'est le temps. J'ai dit, je ne prie pas. Hein. Tant qu'il ne se met pas en genoux, je ne prie pas. Je m'habille ma main comme ça. Je le regarde. Il m'arrive à dire, soit qu'il se mette dans mon sérieux. Il s'est mis en genoux. Je vais verser lui sur lui, il dit, allons-y. Il dit, c'est toi qui sais Dieu.
Je lui ai dit, moi, c'est des sorciers, on a peur. Je n'ai jamais peur des hommes. Sorcier ne me ferait pas. Donc, moi, je sers Dieu. Laissez-nous vous aider. Amen. Laissez-nous vous aider. Ne me déguisez pas en commerçant d'une. Ou bien, vous pouvez faire commerce d'une. Permettez à Dieu de m'utiliser. Sinon, je n'ai pas quelqu'un qui dit, prends une bouteille avant de prier pour toi. Vous allez prendre. Forcément, vous allez prendre. Vous allez prendre, vous allez prendre. Il dit, pour prendre, forcément, tu vas prendre. Tant qu'il ne prend pas, il ne prie pas. Toi, tu es prêt pour ça. Amen. Allons-y. Mais ses serviteurs s'approchèrent. Lui, on dit, tu sais, je suis fâché, c'est vrai. Et il dit, je suis énervé, c'est vrai. Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, qu'est-ce qui est mauvais? Ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu te faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Oui, Seigneur. Ton cœur, là, ça n'a qu'à s'apaiser. C'est le prophète qui apparaît. Il va plonger dans le journée et ça va marcher. Écoutez, hein. Il descendit alors et se plongea. C'est à cause de vous, c'est pas à cause des prophètes, là. Je m'en fous de lui. Et il se fout trop des gens. Vous voyez, il avait fouté dans ça. Moi, je suis général. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Vous savez, excusez-moi, que ce soit le président de la République, que ce soit un ministre qui vient me voir ici, c'est la même chose. Il ne me laisse pas influencer. Non. Sinon, il y en a un Abidjan. D'ailleurs, il y a des gens qui sont prêts à prendre 5 millions pour installer même Abidjan. Vous m'en montez l'argent. On paie caution, maison de mer. J'ai refusé. J'ai dit, où on mange viande de l'homme, là, c'est en brousse. C'est ici on mange, c'est humain. Depuis que je suis dans le Vata, demandez aux sorciers, on les a tous mis au pas. Au pas. Ils ont pas mis des gens m'attaquer. Moi, je les cherche. J'ai dit tous nos sorciers, envoyez. Ce que vous envoyez là, c'est la comédie. Cherchez, allez-y en Chine, en Inde. Vous parlez entre vous. Envoyez. Vous allez voir qui est Jésus. L'onction. Moi, je suis de la tranche d'Élie, d'Élisée. Les hommes d'action, ce n'est pas les hommes de parole. Je ne suis pas juste un homme de parole. Le prophète est une clé. Tu tombes sur le prophète, il doit ouvrir les portes de ta vie. Vos histoires, ou pas, on prie pour vous, on vous impose les mains. Mets-toi à genoux, Moi, je ne suis pas là pour ça. Je vais être une clé pour ta vie, t'ouvrir les portes de ta vie, de ta destinée. Vous êtes une véritable clé. Jésus dit, je vous ai donné la clé du royaume. La clé, c'est pas seulement votre problème, c'est la clé. Tout ça dit, ton problème demeure. Tu as l'impression que tout est fermé autour de toi. Je vais être la véritable clé pour te faire entrer dans la destinée. Amen. Pas pour jouer avec toi. Je ne suis pas venu jouer avec vous. Amen. Non, il n'est pas venu à l'heure. C'est pas parce qu'il joue avec vous. Il est trop sérieux ce problème-là. Il est spirituel. Qui n'a pas pour les autres venir ici? Sorcier, vous mangez. Vous, qu'est-ce que vous avez? Sauce arachide, sauce pistache, sauce plat, sauce grêle. On veut vous manger ici? Parce qu'on est en train de préparer janvier, là. Eux sont en train de programmer les choses pour manger. Pendant que tu manges, eux cherchent à manger. C'est moi qui vais attaquer. Amen. Amen. Laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous aider. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous aider véritablement. Il donne la parole et dit, bah, d'accord, si le prophète avait demandé quelque chose de, allons-y, difficile. Ne l'as-tu pas fait? Combien plus dois-tu te dire, fais ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plonga sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. C'est tout? Selon la parole de l'homme de Dieu, il était guide. Il n'a pas prié. Il dit, va, tu dois plonger sept fois dans le Jourdain. Il y a une femme qui a eu un miracle des jumeaux à Abidjan.
La médecine l'a déclaré stérile. Elle est venue me voir. J'ai dit, Jésus, là, ça n'existe pas dans le langage, le vocabulaire de Dieu. Impossible pour moi. Donne-moi 2 mois. Elle est jeune. Elle est venue après les 2 mois. Elle dit, tu vas donner le bébé. On s'est dit, amen. Ça, vous êtes prêts pour dire amen? N'êtes pas prêts pour les actions. J'ai dit à la dame, ok, tu as une camisole, le pain que tu as sur toi, prends ce pain-là, tu dors, ça va aller. Tu as une vision, tu ne peux pas faire ça tout à l'heure. Donc elle prend le pain, et j'ai dit, mets ça sous la camisole, et puis tu descends, et va à la maison. Pendant 7 jours comme ça, que tu enlèves un peu après le pain. Elle dit, quoi? Mets camisole. Il dit, tu fais semblant de grossesse. C'est ce que Dieu me demande de faire. Je ne prie pas pour toi. Elle est pour faire. Non, moi, je n'ai pas fait ça. Elle dit, je ne m'en. Prophète, tu ne connais pas notre immeuble là. Les femmes, elles parlent. Les bouches. Hein? Prophète, tu ne connais pas notre immeuble. On est aussi appelé pour être comme là. C'est chez nous, ils ont créé ça. Les sites là, c'est chez nous. Les Africains finissent hein, s'intéresser à la vie des gens. Ils viennent à l'immeuble, chercher à savoir qui meurt, qui a mangé quoi, qui a mangé kéké, qui a mangé sauce grain, qui a mangé kéké, sorcellerie. Blanc, tu viens aller dans l'immeuble, ils s'en fichent de toi. Même bonjour, mais tu ne dis pas. Toi, tu as cherché du voisin. Voisin, 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 tu m'as pas salué. Hein. Tu connais pas le voisin. C'est qui dans sa tête, c'est trop. Tu as cherché un voisin, voisin, pardon, voisin. Voisin, tu peux manger. Il passe et salue pas les gens. L'Africain aime ça. Et dit le prophète, tu connais pas notre humeur. Les femmes, elles ont fini à boucher. Elles me suivent chaque jour. Puis moi, je mets ça, puis enlever après. Hein? J'ai dit, ah, c'est bien, je comprends. C'est à cause de Pénina que Anne a eu un enfant. Elkanah avait 2 femmes. Il y avait Anne et il y avait Pénina. Pénina faisait des enfants, Anne ne faisait pas des enfants. Elle a persécuté Anne. Elle s'est mise dans le temps. Dieu l'a exaucé. Je cherche la bouche des femmes. Je cherche la bouche des femmes. J'ai dit, ah, d'accord. J'ai dit, va. Vous pensez que la volonté de Dieu c'est facile à voir. Jésus dit dans le jardin, si c'est le coup, pourrait s'éloigner de moi. Non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Il y avait la croix dedans. Vous voulez entrer dans les bénédictions sans prier à prier. Elle a compris. Il dit ça va chauffer, mais pour supporter. Donc j'ai appelé son mari, j'ai préparé le mari. Du coup, les femmes voient une grossesse. C'est qu'un coup. Un coup, 2 fois, ça avait été un coup. On est génie. Et sont là, ils regardent. Pour un avant-plan. On va voir la fin de ça. Vous savez ce qui est venu. Même Marie, même elle n'a pas fait ça. Marie a eu 1 mois, 2 mois, jusqu'à 9 mois, elle a fait bébé. Pour toi, là, ça vient un coup. Comprenez bien les femmes, toujours au marché, c'est devenu un problème partout d'État. Problème de la femme, vous prenez ça comme vos problèmes. Vous mangez à la maison, barrez bien. C'est ça la sorcellerie africaine. Elle a fait sa chose, toi qui prends avec ça. C'est sa chose, ça fait quoi? Il n'a qu'à prendre nous, marcher sur sa tête, tout à quoi avoir dedans. Nous les noirs, cherchons à avoir clair dedans. Et ça te fatigue. Et tu deviens sorcière force. Là, s'occuper des gens, c'est la sorcellerie. Il a mangé quoi? C'est ton problème, ça? Il s'habille comment? C'est ton problème? On va voir la fête, là, comment on va s'habiller? C'est ça, notre problème. Le 7e jour, 8e jour, ça quitte. Vous voyez, un jour, dans le même, elle a commencé à pleurer. On a commencé à l'insulter, insulter. Toi, tu as blagué qui, ici? Toi, tu as blagué qui? C'est le monsieur qui peut blaguer, c'est pas moi, hein? Est-ce que vous avez dit c'est vous? C'est ton monsieur, c'est ton mari qui a blagué, c'est pas nous, hein? Faut arrêter ça. C'est cool.
faut arrêter ça. C'est qu'un grossesse ça fait un coup, ça vient, ça disparaît un peu. Qui sait qui doit blaguer? Est-ce que vous avez le temps de vous blaguer? Ils ont fait les simples problèmes. La femme, elle est humiliée. C'est quand tu humilies là que Dieu agit. Dieu, pour devenir, va te frustrer. Si mon sorcier ne m'a pas attrapé, moi, je vais venir à Jésus. Dites-vous que Jésus. C'est bien que le sorcier vous poursuit. Vous allez connaître le chemin de Dieu. Là, tu cherchais femme des gens en bas. Ça fait de Jésus là qui fait que aujourd'hui, c'est là. Si ce n'est pas sorcier, on vous voit. On vous voit. Nous sommes à participer à notre conversion. On dit amen. Amen. Tu vois ça? Nous participons à notre conversion. L'homme est peut-être têtu, tu connais là Jésus. Marie des gens qui cherchent. Vous êtes pacifique, qui cherchent. Sorcier en train de manger. Je vais manger un garba. Le voisin est en train de courir. Persécuté jusqu'en 3 mois. C'est après 3 mois. Elle voit qu'elle vomit, elle rend, elle fait tout. Elle a fait aller voir qu'elle teste de grossesse. On est lancé, ne crois pas. Parce que les blancs, les gens ne vont pas rencontrer. J'ai dit, mais vous pensez quoi, le miracle, c'est quoi? C'est quelque chose de surnaturel qui dépasse la compréhension humaine. Le mot miracle, regardez ce qu'ils avaient dit. Quand on dit miracle, c'est pas quelque chose de naturel, c'est surnaturel. Et, ah, on dit, je suis enfant, moi, depuis, je sais que tu as fait enfant. Donc c'est sorti, les gens disent, bon, nous-mêmes, là, on va surveiller la grossesse. Grousser de quelqu'un, c'est toi. Elle descend, tu es là, tu suivais grossesse. Elle monte, tu veux, tu suivais. Madame, grousser est là, oui. Tu ne vas pas pour les grossesses. Tu es dans l'île, est-ce que là, grousser la femme là-haut. Et tu veux tout quoi. Et Dieu, Africain. À cause de grossesse, la femme, elle ne dort pas. Elle suivait une grossesse. Vous ne pouvez pas arriver ça aujourd'hui. Hein? Association des femmes d'Imeu. Elle dit, je suis en train de vous dire, oh là. On va envoyer une femme, deux femmes avec toi là-bas. C'est comme ça, nous sommes les Africains. Sorcellerie dans nos sangs. Nos parents ont pratiqué quand pour nous, ça vient dans nos sangs. C'est dans nos soins. Dans nos langages, dans nos comportements, il y a la sorcellerie dedans. Quelqu'un de l'église a connu, nous, on est fâchés. On va voir, on va aller voir la sage-femme, le bébé va sortir, on va le toucher, voilà, on va croire ça. Tes histoires, ça qui, ça vient, ça qui. Nous, on a su les grossesses. Pourquoi les hommes africains? Quand ils ont l'œil sur toi, là, c'est comme sorcier, c'est des yeux de sorcier. Qu'est-ce qu'on est? Ça, mais on voit aujourd'hui. La comédie qui fait des blagues, les gens qui jettent. Quand on rentre dans la salle, voilà, on va voir maintenant. Le premier est sorti, c'est garçon. Le deuxième est sorti, c'est femme. Il a gloire. Mais elle a pris le prix. Le prix, elle a pris le prix, madame. Mais lui, elle pleurait parce qu'on suivait dans. Il y a des sorciers qui suivaient dans la grossesse. Toi, là. Tu es bête, tu penses que nous on est bête comme toi. Tu vas demain aller jeter ça. Là. Souffrant jusqu'à. Vous pensez qu'à son prophétie, ce que ça fait, le fait de s'asseoir ici jusqu'à. C'est ta part de sacrifice. Amen. Vous ne pleurez pas. Vous dites, j'ai dit les gens. Dieu n'a qu'à s'asseoir. Vous êtes assis, Dieu apprend, tu viens, vous dites, mon enfant, tu es malade. Mange. Dors. Oh, oh. C'est comme ça. Vous n'êtes pas. Et il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me trouvez de tout votre cœur. Il faut te déterminer, vous dire, moi, là, tant que Dieu me délivre, c'est ce que Jacob a fait, tant que je ne suis pas délivré, toi, ange, je ne te lèche pas. Ou vous n'avez pas encore touché, vous facilement, vous partez. Vous savez ce qui peut se passer entre tout, tout me dit, et tout, je suis dit, merci, cabri, viens te manger. Hein? Mon cabri est en train de partir, il m'a fait pas en janvier. Je vais marcher déjà, aubergine est là. Peut-être que c'est parti. Il faut
faut que je te mange. Et vite, 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 vite. Le jour où les gens m'ont dit, dis Zaroko, le mec, la semaine entière, dit, j'ai mangé 10 personnes. Demandez l'histoire des Zaroko. Je suis allé les mettre en Zaroko sur leur cuisine, tout. Leur arsenal de sorcellerie. Ça les embêtait, tout ça. Ils ont parlé aux autorités, ils ont destruit le village. Donc, mon histoire, c'est une histoire. Hein. J'ai dit, ok. J'ai quitté le village. Dès qu'ils ont donné tout le sens, j'ai dit, quoi? Après, viens manger. Ils ont pris les boutons, les tabliers, vite, vite, vite. Ils ont fait un festin. Manger carnage dans le village. Là, ils ont compris. Ah, le monsieur qui est venu, c'est lui qui a mis stop. Les gens ils sont les faire sitting devant la porte du chef du village. J'ai dit, soin, ils ont eu. Je suis rentré dans le village. Toute la région de Vata. Sauf que Vata, vous m'insultez, je suis à vous. Ils m'ont accueilli comme un prince dans le village. Il y a la vidéo. Et quand je suis descendu, j'ai parlé sur le village. Il dit, c'est fini. C'est fini, hein? Il n'y aura plus. Est-ce que vous avez attendu que les gens sont morts? Ils ont dit, on a fait le toucher des gens là-bas. Dès qu'il mange, il va commencer à s'enfler. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Amen. Dis amen. Amen. Tout se lève dans le secret et dans le spirituel. La portion de la messe, ce n'est pas une messe à faire. Amen. Amen. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Dis encore à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Qui croit à la puissance de Jésus? Amen. Non, ne jouez pas le ministère des prophètes. Laissez le prophète vous aider. C'est ça. Il faut laisser le prophète apporter son aide. Sinon, les gens vont toujours vous blaguer. Ils vont toujours vous dire, des choses que vous voulez entendre. C'est ça votre problème. Vous voulez qu'on vous dise des choses que vous voulez entendre. C'est ça, moi, quand tu parles, ça me dit rien. Tu es fâché dans ton problème. De toi, moi, qui a bien son camarade. C'est toi qui as besoin de moi. C'est à moi, si tu dois t'allier à mon système. C'est pas à moi de m'allier à ton système. Je vais pas que tu te fais plaisir. Élisée a parlé. Apprends-moi à laisser. On dit que c'est le Jourdain qui doit te guérir. C'est pas une position de main. Et toi, tu dis que tu es fâché. C'est ton problème. Qui est l'aise? C'est toi qui as l'aise. C'est qu'elle a plongé dans le journal qu'il a été guéri les alertes. Donc quand vous venez ici, soyez patient. Vous avez compris? Vous venez ici, vous êtes très patient. Celle qui est en mèche derrière, viens. Viens. Tu vas mourir avec la grossesse que j'ai chassé, l'esprit qui s'est déjà emparé de ta vie et tout ça. Il y a un esprit qui est sur toi, qui veut déjà te détruire. Le plan du diable, c'est que tu meurs à cette grossesse. Tu es d'accord avec ça? Tu n'étais pas d'accord? Moi, je ne suis pas d'accord. Et la Bible dit que tout ce que je délie ici sera délié dans les cieux. Vous ne pouvez pas empêcher le diable de parler. C'est ça qu'il dit à Satan, toi tu parles. Ah non, le prophète, on t'a vu, non, un rêve. J'ai dit, si tu me vois un rêve, faire, si tu me vois avoir l'argent, ça c'est un rêve, c'est pour moi. Tu vois un rêve où je suis en train de ramasser l'argent, c'est moi. Un rêve où il fait un accident, c'est pas pour moi, c'est pour le voisin. Mais Dieu m'a dit des choses. Plutôt me voir en arrêt, je fais un accident. C'est le voisin, peut-être qu'on se ressemble. Le voisin. Le son où il chantait dans la salle, c'est pour moi. Amen. Si tu vois un rêve, il dit amen, il dit amen. Amen. Ben, je sais ce que tu as dit, Simon. Tu as venu me frère, pourquoi? Aïe! Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu me dit, je dois avoir l'argent, délivrer les gens. Toi, tu viens dire, non, il est venu à bâtir ta faillite. C'est pas mon rêve. Ce songe-là, c'est pas pour moi. Tu t'es trompé, c'est pour le voisin. Dieu va te délivrer. Je crois à la puissance de Jésus-Christ. Quelque chose va se passer dans ta vie. Parle!
parler d'elle, tu m'entends? Et c'est à toi que je parle. Esprit de mort, tu vas la lâcher au nom de Jésus. Oui, lâche-la. 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 Lâche son âme. Et lâche toute sa destinée. Lâche sa vie. Lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu libères son âme. Tu la libères. Maintenant même au nom de Jésus, lâche-la. Et lâche la grossesse. Touche plus à ça. Ne touche pas. Nom de Jésus. Touche pas. Nom de Jésus. Lâche-la. Tu libères son âme. Et tu libères toute sa destinée. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus de Nazareth. Je proclame la Seigneurie de Jésus. Donne-moi une bouteille. Je vais sceller cette parole sur ta vie. Donne-moi une bouteille, s'il vous plaît. Le nom de Jésus-Christ sur ta vie. Je commande aux esprits de ne plus jamais te toucher. Jamais. Touche pas cette grossesse. Et ne touche pas cette vie. Par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Je proclame ta Seigneurie Jésus. Merci pour ta nom, Seigneur. Dis à quelqu'un juste à côté, Jésus est Seigneur. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un, Jésus est puissant. Dis à quelqu'un, il est puissant. Dis à quelqu'un, Jésus est puissant. On dit Amen. Amen. Fais-moi venir ta fille, toi. Oui, fais-moi venir ta fille. Non, non, non. Venez, venez. Est-ce qu'arrivé à la maison, vous avez mis de l'huile là-bas? Mais l'esprit est revenu en elle. Hein? Vous savez ça? Comment vous avez su ça? Ok. Est-ce que j'étais chez toi? Voilà. Je vous ai dit quoi la dernière fois de rester? Pas. Tu m'attends? Oui. Oui. Quitte. Je vois une dame âgée, une vieille femme qui vit avec. Lâche-la. Lâche-la. Oui, lâche-la. Le feu consume tes œuvres. Oui. Dites-la. Tu vas partir. Lâche-la. 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 Je mets le feu dans tes pieds. Feu! 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 Allez! Feu! 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 Allez! Allez! Feu! Feu! Le feu dans ton ventre! Feu! Feu!
tombant. Fais le sondant. Sors-les. Lâche-la. Lâche-la. Libère-la. Au nom de Jésus. Allez. 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 En genoux. En genoux. Mets-toi en genoux. Lâche-la maintenant, Marie. Lâche-la maintenant au nom de Jésus. Lâche-la maintenant. Libère-la au nom de Jésus. 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 Libère son âme. Lâche son âme. Lâche son âme. Lâche-la. 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 Quitte ses corps. Manifeste-toi. Le feu dans sa poitrine, le feu dans toute sa poitrine. Le feu dans ta poitrine. Le feu, 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 le feu. Allez, lâche-la, lâche-la, lâche-la. Au nom de Jésus, libère-la, libère-la. Tu m'entends? Lâche-la. Quitte! Le démon est là dans ta poitrine. Il est localisé là. Il est logé là. Dans la poitrine là. Il est là dans la poitrine. Le démon est là. Il est dans la poitrine là. Il est là. Quitte! Quitte! Quitte sa vie. Quitte! Quitte. 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 Lâche-la. Tu vas me libérer sa vie, tu m'entends? Sors. 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 Lâche-la. Lâche-la. J'ai vu quelque chose sur cette femme qui est en train de dormir, le bras au mur. Viens. J'ai vu une personne qui a, une seringue qui est en train de t'attirer tout ton sang. Viens, que je prie pour toi. Toi. Donc que je prie pour toi.